Daniel Radcliffe vole au secours d'un touriste agressé en pleine rue. Vendredi 14 juillet, il est 18h. Un touriste d'une cinquantaine d'années se balade le long de King Road dans le quartier de Chelsea à Londres. Soudain, deux malfaiteurs à moto s'arrêtent à sa hauteur et l'agressent. Ils lui balafrent le visage avec un couteau, lui arrachent son sac Louis Vuitton et s'enfuient. L'homme en question, en vacances dans la capitale britannique pour quelques jours, est sous le choc. Parmi les témoins de la scène, Daniel Radcliffe, la star de la saga Harry Potter. Selon l'Evening Standard, David Videsett, un ancien policier, était également présent sur les lieux du vol et a rapporté que l'acteur de 27 ans est immédiatement allé réconforter la victime de l'agression. La magie n'existant pas dans ce monde, il n'a pas pu arrêter les deux malfaiteurs d'un simple coup de baguette mais est venu en aide du mieux qu'il pouvait. Il a été très sympa, beaucoup de stars ne se seraient pas arrêtées pour proposer leur aide, a raconté David Videsett au journal britannique. La victime était vraiment, vraiment bouleversée. Un épisode qui n'est pas sans rappeler l'action chevaleresque de Tom Hardy fin avril. L'acteur de 39 ans avait lui aussi assisté à une infraction commise par deux motards à Londres et avait décidé de partir à la poursuite de l'un d'entre eux dans les rues avoisinantes. Une action qui avait fini par payer puisque le justicier avait réussi à rattraper le malfaiteur. Concernant l'agression de ce week-end, les voleurs courent toujours et, selon la police locale, une enquête a été ouverte.